nouvelle édition de la Minute Tchèque, votre rendez-vous mensuel dédié aux actualités économiques de la République tchèque. Ensemble, explorons les faits marquants de l'actualité économique du mois de mai. Commençons par examiner le taux d'inflation, qui a atteint 2,6% en mai 2024. Cette évolution a été influencée par la hausse des prix dans les sections alimentation et boissons non alcoolisées et alcoolisées, ainsi que le tabac. Comme dans les mois précédents, les prix du logement ont également augmenté, notamment les loyers. D'autre part, une baisse a été enregistrée dans la section des loisirs et de la culture, où les prix des vacances à forfait ont diminué. Parmi les pays voisins, seule l'Autriche a connu une inflation plus élevée, avec un taux de 3,5%. La Roumanie a connu l'inflation la plus élevée parmi les pays de l'UE, avec 6,2%, tandis que la Lituanie a enregistré l'inflation la plus faible, avec 0,1%. Du côté du marché de l'emploi, le taux de chômage en mai 2024 est de 3,6%, marquant une baisse de 0,1%, un schéma traditionnel chaque année. Outre le travail saisonnier, notamment dans la construction, une autre raison de la réduction est le démarrage progressif de la saison touristique. Les étudiants n'entrent pas encore dans le registre des demandeurs d'emploi après avoir obtenu un diplôme dans le secondaire ou le supérieur, ils commencent à chercher en septembre. En mai, la proportion de chômeurs la plus élevée se trouvait dans la région d'Oustinad-Labem, 5,9%, et dans la région de Moravie-Silésie, 5,2%. A l'inverse, le taux de chômage le plus faible a été enregistré dans la région de Vysočina et à Prague, 2,7%. Terminons avec un coup d'œil sur le taux de change. En mai, la couronne tchèque se négociait à 24,806 couronnes pour 1 euro, reflétant les variations habituelles des marchés financiers. Bien qu'elle se soit légèrement appréciée, la couronne continue de démontrer sa robustesse, témoignant de la confiance des investisseurs dans la stabilité économique de la République tchèque. Nous sommes ravis de vous annoncer notre participation au MSV 2024, qui se tiendra du 8 au 11 octobre à Brno, en République tchèque. Connue également comme la « Foire de Hanovre » de l'Europe centrale et orientale, le MSV est le rendez-vous incontournable pour l'industrie dans cette région. Le MSV est la première foire industrielle d'Europe centrale et orientale, et cette 65e édition promet d'être exceptionnelle. Lors de l'édition 2023, le salon a accueilli 60 000 visiteurs, dont 50% venant de l'étranger, et a réuni 1312 exposants provenant de 43 pays sur une surface d'exposition de 45 000 m². Les secteurs représentés au MSV couvrent un large éventail de domaines industriels, machines-outils, matériaux et composants électroniques, automatisation, techniques de mesure, hydraulique et pneumatique, plasturgie, usinage et transformation de métaux, refroidissement et climatisation, soudage, fonderie, traitement de surface, transport et manipulation. Cette année encore, le pavillon France sera une vitrine de l'excellence et du savoir-faire industriel français. Idéalement situé au cœur du salon, notre pavillon offrira un stand clé en main, prêt à l'usage dès votre arrivée, avec une visibilité médiatique assurée par une campagne de communication auprès des réseaux professionnels et des médias industriels. De plus, un accompagnement est possible pour un stand stratégique situé dans l'un des halls thématiques. La visibilité B2B sera renforcée grâce à une promotion ciblée auprès des décideurs et acheteurs de sociétés industrielles tchèques, et la visibilité institutionnelle sera assurée par la présence de représentants politiques français et tchèques. Enfin, nous aurons un pavillon nucléaire sur le pavillon France 2024, mettant en avant les entreprises françaises de ce secteur, qui assurent la supply chain et anticipent la construction de petits réacteurs modulaires, SMR, avec le soutien de la région Auvergne-Rhône-Alpes et de Nuclear Valley. Nous vous attendons nombreux pour découvrir l'innovation et le savoir-faire français au MSV 2024. À bientôt à Brno. En conclusion, je vous invite à enrichir votre expérience en interagissant avec nous. Likez, partagez et abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour rester au fait des analyses futures. Rejoignez également notre communauté sur les réseaux sociaux où vous pourrez trouver les actualités de la Chambre ainsi que des invitations à nos événements. N'hésitez pas à nous suivre. Pour plus d'informations, consultez notre site web où vous trouverez les détails et les modalités d'inscription aux prochains événements.
Les liens utiles sont à votre disposition dans la description de cette vidéo. Pour toute interrogation ou besoin de conseils économiques, notre équipe d'experts du Booster est à votre écoute. Au nom de toute l'équipe, je vous remercie pour votre fidélité et votre engagement. Je vous souhaite une journée inspirante et vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle édition enrichissante de la Minute Tchèque.